Stéphane Mattolini. Le mauvais départ de Bastien Lanu, je vous l'avais annoncé, forcément, partant à la corde, eh bien, niveau motricité, c'était moins bon. On a vu fumer les pneus là, sur la ligne de départ, et excellent départ de Mehdi Mono, qui tout de suite s'est rabattu devant Geoffrey Lejeune. Et la remontée maintenant, ça y est, c'est parti. La bagarre est lancée. Le freinage va être très important. Déjà, Stéphane Mattolini va à l'extérieur à l'attaque sur Nicolas Guillon. Nicolas Guillon est un petit peu en bas sur ce freinage hein, avec son copain. Son copain Jean-Louis Gilbert, alors que Christophe Cassin, malheureusement, le pilote Jourdain vient de sortir, là-bas, il a des petits soucis. Hein. Romain Leroux, eh bien, c'est numéro 78 sur la propulsion. Bon, on va dire. Voilà, la bagarre en tête pour les hommes en forme. Pas de problème, donc pour Mehdi Mono. Et la BG16 d'Alexandre Chenot numéro 71. Les hommes de tête pour l'instant là-bas, pas de soucis. Quoique, il faut bien faire attention. Dans la remontée, la BMW face au moteur Honda. Certainement les deux plus puissants moteurs de cette division. C'est passé pour Geoffrey Lejeune. C'est passé. Le retour, Mehdi Mono qui va essayer de refaire le freinage, non, il n'est pas en position, il va essayer de repiquer intérieur.